Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Alléluia. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière. Quelle joie de vous retrouver encore. Ah, c'est une joie pour moi de me tenir devant vous, devant l'Éternel des armées qui nous accorde cette grâce de diriger la prière. Mon mari et moi, ce matin, nous voulons vous dire merci pour votre fidélité. Plusieurs qui sont fidèles à ce temps de prière, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Mais la joie que vous pouvez nous donner, c'est de partager ces vidéos-là à vos amis, à vos parents. Il y en a qui ont besoin de ces temps de prière. Partageons, ne gardons pas pour nous-mêmes. Soyons une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse en le faisant ce matin, ma sœur. Que Dieu te bénisse en le faisant ce matin, mon frère, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons dire merci à l'Éternel des armées de nous avoir choisis comme des vases pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle semaine, une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Des nouvelles choses vont se passer dans nos vies en cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus. C'est pour cela ce matin tu vas élever ta voix, tu vas remercier le Seigneur avec moi pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie pendant la semaine passée. La grâce ne vient pas de nous, la grâce vient de lui. Ce que nous sommes ne vient pas de nous, mais vient de lui. La Bible dit que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur ensemble ce matin au nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci ce matin. Sois glorifié notre Créateur et notre Dieu. Sois exalté Alpha et Oméga. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, le créateur du monde visible et invisible. Nous te bénissons, toi qui nous permets de nous retrouver encore ce matin devant ton trône de grâce pour élever la voix vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies pendant la semaine passée. Papa, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Oh Dieu, nos allées et nos retours ont été bénis par toi. Les anges de l'Éternel, oui Seigneur, nous ont escortés dans nos différentes activités. Nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir gardé ma famille. Merci d'avoir protégé ma famille. Merci pour la nourriture, pour l'eau, la paix, la joie dans les foyers. Oh Éternel, nous te disons merci. Merci pour les enfants, Seigneur mon Dieu, Papa, qui sont en train de grandir dans ta crainte, dans ta connaissance parfaite. Nous te rendons toute la gloire ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois l'adoration ce matin, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ton nom. Oh, louange et gloire à toi. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, nous disons, même dans nos familles. Jésus, tu es Seigneur. Mon esprit, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Jésus, même dans le tombeau, mon Jésus, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus, Jésus est Seigneur. Alléluia. Kolalaba shandarababa. Il est Seigneur même dans nos familles. Notre Dieu est Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur dans ma famille. Tu es Seigneur dans la famille de mon frère. Tu es Seigneur dans la famille de ma sœur. Nous proclamons ta Seigneurie en ce jour dans nos familles. Nous proclamons ta Seigneurie dans nos vies. Nous proclamons ta Seigneurie, ô Esprit de Dieu. Nous proclamons ta Seigneurie. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Sois glorifié ce matin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Puissant Dieu,
Merveilleux sauveur. Oh oui, puissant Dieu. Ah, merveilleux sauveur. Jésus, tu es hautement élevé. Puissant Dieu. Tu es hautement élevé, mon puissant Dieu. Oh, tu es hautement élevé, puissant Dieu. Oh, tu es hautement élevé, mon puissant Dieu. Alléluia. Tu es le puissant Dieu. Tu n'as pas changé, tu ne changeras pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te magnifions ce matin, papa. Reçois la gloire éternelle des armées. Reçois l'honneur ce matin, alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, papa, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, sois magnifié, alpha et oméga. Mon esprit t'adore ce matin. Mon esprit te loue, mon esprit t'adore, alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Ah mon Dieu, qui est comme toi, Jéhovah? Qui est comme toi? Parmi les dieux, oh Seigneur, parmi les hommes de la terre, oh oui, mon roi. Jésus, mais qui est comme toi, agneau? Qui est comme toi, mon roi? Mais qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi? Parmi les dieux, oh Seigneur, parmi les hommes de la terre, oh Jésus, alléluia. Élève ta voix, adore Dieu. Élève ta voix et adore Dieu, alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu ce matin. Élève ta voix et adore Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans les maisons. Merci pour ta présence dans les voitures. Merci pour ta présence partout où nous sommes en train de te regarder maintenant, Seigneur. Merci, Papa. Partout où nous sommes connectés, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, cette atmosphère, Seigneur, mon Dieu, nous le transmettons dans toutes les maisons, dans les lieux de travail, dans les voitures, Seigneur, ceux qui sont en train de regarder. Que ta présence envahisse leur lieu. Que ta présence envahisse les maisons, ta présence envahisse les lieux de travail. Oui, Seigneur, les chambres où les gens sont en train de t'écouter maintenant. Papa, ce n'est pas moi qu'on écoute ce matin, mais c'est toi qu'on est en train d'écouter. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un vase. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos familles. Papa, nous voulons remettre cette merveilleuse journée entre tes mains, te demandant de prendre le contrôle absolu. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons remettre cette journée dans la main de Dieu. Demandons à l'Éternel de prendre le contrôle absolu de cette journée. Qu'il nous dirige, qu'il nous assiste, qu'il nous oriente, qu'il nous conduit. Surtout qu'il nous rend sensibles à la voix de son esprit dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, ce matin, maintenant, commence à prier avec moi. Ce matin, Saint-Esprit, je veux remettre cette merveilleuse journée entre tes mains. Viens prendre le contrôle absolu. Viens nous diriger, viens nous assister, viens nous orienter. Papa, rends-nous sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons t'entendre. Nous voulons reconnaître ta voix parmi mille voix. Et donne-nous la grâce en reconnaissant ta voix. Oui, Seigneur, d'accepter cette voix et de marcher selon ce que tu vas nous dire dans le nom de Jésus. Prends le contrôle absolu de cette journée. Nous la remettons entre tes mains. Oui, Papa, nous soumettons cette journée à ta Seigneurie. Oh Jésus, tu règnes et tu régneras en cette journée. Prends le contrôle absolu de tous nos mouvements, toutes
toutes nos activités, celles de nos familles, dans nos lieux de travail, dans les écoles. Oh Seigneur, sois au contrôle. Papa, partout où tes enfants se trouvent, dans les marchés, partout Seigneur, dans leur lieu de travail, Papa, prends le contrôle absolu dans le nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de joie, une journée de bonnes nouvelles, une journée de paix et d'allégresse dans le nom de Jésus. Que cette journée, que notre aller soit béni, que notre retour soit béni, que tous les pièges de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, soient anéantis dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. En cette journée, Seigneur, tu vas relâcher le ministère angélique. Les anges vont descendre, Seigneur mon Dieu, pour nous arracher de tous les dangers, des pièges de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons regarder la parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu qui nous fait du bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 13. Ah, la parole de Dieu fait du bien. Nous allons regarder Matthieu, chapitre 2, le verset 13. Si tu n'as pas ta Bible avec toi, tu notes le passage, parce que c'est cette parole que nous allons prier. La prière n'est pas quelque part d'autre, elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 2, le verset 13. Le verset 13, il dit, je m'en vais lire la parole de Dieu pour vous, au nom de Jésus. Il dit, lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Écoutez bien la parole de Dieu. Il y a un ange qui donne l'instruction à Joseph de prendre l'enfant et sa mère, de fuir. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il doit fuir? Est-ce que Dieu n'est pas trop fort? Il n'est pas puissant pour les protéger? Bien sûr, Dieu est fort, il est puissant. Mais l'Éternel des armées n'est pas un Dieu stupide. Alléluia. Il connaît ce qu'il fait en chaque saison et en chaque moment de notre vie. Alléluia. Il dit, il fuit en Égypte. Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Nous allons prier ce matin. En cette fin d'année, quiconque dans ma famille, dans le nom de Jésus, qui est en train de chercher ma vie, qui est en train de me chercher dans le monde des ténèbres, chercher mon image, chercher ma photo pour me faire périr, je déclare ce matin que le feu de Dieu vous anéantit au nom de Jésus. Le feu de Dieu vous détruit ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personnalité, entité spirituelle dans nos familles, dans nos nations, dans les quartiers où nous sommes, dans nos lieux de travail, qui cherche, Seigneur mon Dieu, à nous faire périr dans le nom de Jésus, à faire périr nos enfants, à faire périr nos époux, nos épouses. Seigneur, ce matin, nous libérons le feu de localiser ces personnes, ces entités, et que le feu les consume dans le nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute entité spirituelle dans ta maison, toute entité spirituelle dans ta famille, toute entité spirituelle dans ton lieu de travail, dans ton quartier, qui cherche à te faire périr en cette fin d'année, Papa, dans le nom de Jésus, nous déclarons que le feu les consume au nom de Jésus. Quiconque veut nous utiliser, utiliser nos enfants comme un sacrifice, Papa, nous déclarons ce matin que nous ne serons pas le sacrifice. Jésus-Christ de Nazareth a été déjà le sacrifice pour nous. Nous n'irons pas à la place de quelqu'un au nom de Jésus. En cette fin d'année, nous n'allons pas périr. Nous le déclarons par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Tu vas demander à l'Éternel des armées en cette journée, Papa, que ma vie soit trempée dans le sang de l'agneau. Que ma vie soit trempée dans le sang de Jésus. Que celle de ma famille soit trempée dans le sang. Mes enfants sont trempés dans le sang de Jésus. Mon mari est trempé dans le sang. Ma femme est trempée dans le sang de Jésus. Mon quartier, je le trempe dans le sang. Mon lieu de travail, ma voiture, je le plonge dans le sang de Jésus. Je déclare que je sortirai recouvert du sang. Je retournerai recouvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me cachera dans le sang. Ma vie est cachée dans le sang de l'agneau.
déclare cela ce matin au nom de Jésus. Nous trempons nos vies. Papa, je trempe ma vie en cette fin d'année dans le sang de Jésus. Je trempe la vie de mes enfants, la vie de ma famille, de mon époux, oh, de mon travail, de mes activités dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni ce matin. Papa, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Papa, je plonge la vie de tes enfants, la vie, oui Seigneur mon Dieu, des familles ce matin dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que la protection de Dieu, Seigneur mon Dieu, soit sur chacun de nous. Que la grâce de Dieu repose sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Toute puissance du monde des ténèbres qui s'est levée en cette saison contre ta vie, tu déclares dans le nom de que le vent du Saint-Esprit les enlève, les ventile au nom de Jésus. Que le vent, toute puissance du monde des ténèbres qui s'est levée contre mon entreprise, contre mes activités, contre la vie de mes enfants, ce matin je vous disperse par le vent du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare encore que le souhait de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ta vie. Le souhait de l'ennemi ne va pas s'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous le déclarons par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier et nous allons relâcher la bénédiction de Dieu de cette journée. Chaque jour que Dieu crée, il le crée avec une bénédiction. Amen. Dis, Seigneur, que ta bénédiction de cette journée soit sur ma vie. Que je sois béni en allant, que je sois béni en retournant. Que la main de Dieu repose sur moi et sur toute ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci, parce que ta main puissante et ta protection est sur nous. La bénédiction de cette journée est notre portion, au nom de Jésus. Toute bénédiction qui a quitté la main de Dieu, nous le recevons en cette journée par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons bénir les églises partout dans le monde entier, spécialement dans cette nation au Sénégal. Je bénis les hommes de Dieu, je bénis les servants de Dieu, je bénis les églises au nom puissant de Dieu. Que l'évangile se répande dans cette nation comme l'air circule au nom puissant de Jésus. Papa, nous libérons les âmes par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Merci d'avoir prié ce matin avec moi. Que l'Éternel vous bénisse. Jésus vous aime plus. À nous revoir demain matin encore sur cette même plateforme dans le nom de Jésus. Amen.